Salut tout le monde, c'est ML2G, on se retrouve pour le 30e épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker HD. 30 épisodes déjà, vous vous rendez compte? Ça fait beaucoup, ça fait 30 jours, pratiquement un mois, jour pour jour, que je fais un épisode par jour. Donc j'espère que vous me suivez toujours, j'espère que ça vous fait toujours autant plaisir. Et dans cet épisode, nous allons tenter de terminer le donjon assez rapidement. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons descendre en bas. On se pète les genoux, mais c'est pas grave. C'est bon de se casser les genoux de temps en temps. Enfin, de temps en temps. Casser les genoux une fois, je pense que ça te suffit. Bien, bon, on va jouer cette mélodie-là. Hein, la mélodie où on attend d'habitude. Ok. Allez, mon petit. Tu vas aller là-bas et tu vas activer un petit peu tout ça. On va planter une petite graine. Et à première vue, on peut croire qu'il y a un trésor qui va apparaître ici. Hein, parce que on peut voir au centre. Il y a 4 cases. Mais non, ce n'est pas pour un trésor. C'est pour activer le vent. Et Link se fait propulser à gauche. Ah oui, 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 ça souffle. Hein. Ça souffle. Allez, viens là, mon petit. Du coup... Du coup, je vais reprendre le petit bonhomme. Allez. Ok. Alors, il va bien falloir regarder où est-ce qu'il va falloir aller. Il faut monter tout en haut, déjà, c'est sûr. Il faut aller... Ah, il faut aller là-bas. Vite. Ah, oh, aïe, 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 aïe. Oh. Chanceux ou pas? Non, pas chanceux. Allez, le vent me souffle. Ça me dira, on peut rester comme ça, c'est bon. Enfin, j'espère. Ok, c'est bon, on est arrivé. Cool. Retournons avec Link. Allez. Super. Et pareil, de la même façon, on monte, sauf que nous, on va se diriger par là-bas parce qu'il y a un coffre. Ça peut être intéressant de le prendre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Pour identifier bonheur. Rien de bien extraordinaire, mais bon, au moins, c'est un coffre en moins sur la map. Alors, le vent me souffle là-bas. Oh, je suis quand même assez haut. Hein. Même pas mal. Bon, on va chercher un peu de magie. Oh, parfait. Que demander de plus? Bon, lui, on va l'esquiver. Ok. Oh, là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Hop, derrière. Raté. Derrière. Oi. Ok. Ok. Wouch, wouch. Il a pété, voilà. C'est pas des grosses explosions, c'est pas comme les monstres où on leur met des bombes dans la bouche. Hop, par derrière. Hop, par derrière, et c'est bon. Ok. Et bien voilà. Et une petite porte s'ouvre, une porte coulissante, avec un coffre en bois derrière. Et dans ce coffre en bois, nous allons y trouver un objet intéressant. Une petite clé. Ok. Oh, un rubis. Voilà, merci de le prendre. Ok. Et maintenant, nous allons nous rendre juste en dessous. Donc, encore une fois, on va utiliser ça pour éviter les catastrophes. Ok, allez, recule. Recule. Voilà, parfait. C'est un peu embarrassant. Allez, par là-bas. Voilà, très bien. Non, m'attaquez pas, vous. Aïe. Oh. Oh là là. Oh, c'était violent. C'était violent. C'est pas grave. On peut remonter comme ça. Oh, oh, j'avais oublié ça, dis donc. Allez, vite. Vite. Oh yeah. C'est parfait. Allez, vite avant qu'ils reviennent. Alors, vous, là-haut. Alors, toi. Tiens. Il faut que je retrouve un peu de magie. Voilà. Et voilà. Ok. Je vais
venir là, bonhomme. On va passer par là. On va aller de l'autre côté. Ah oui, peut-être que je prenne mes flèches et que je garde ça avec moi. Ah oui, c'est vrai que j'ai des... Non, 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 tu... C'est pas grave, viens avec moi. Descends. Aïe. Allez, reviens. On va pas faire tout le chemin en l'air, hein. On peut repasser par en bas. Tout simplement parce qu'il y a des lianes qui nous permettent de remonter. On a vu ça dans le précédent épisode. Oh, il y en a un autre là-bas. Les lianes sont là-bas. Pourquoi je bouge la tête alors que c'est la caméra qui doit bouger? Oh, lâche-moi, toi. Arrive de faire des trucs des fois, je comprends pas. Ok. Allez, monte, mon petit. C'est bon, on est au-dessus? Ok. Link, tu peux monter. En espérant que tu ne te prennes pas une boule de feu. Croise les doigts. Oh, ça a l'air d'aller. Magie? Tu me diras. Oh, la boule de feu est pas passée loin. Ok. Et ici, on va pouvoir jouer enfin cette mélodie. Et rien à foutre des monstres. Il y en a un juste au-dessus de ma tête. Mais c'est pas grave. Il ne fera rien. Simplement parce que j'ai arrêté le temps avec ma baguette. Même si ça n'a aucune logique. Regardez-moi ce monstre arrêté en plein vol. Il va me sauter dessus. Est-ce que je peux me protéger? Oh oui. Non, pas les flèches de feu. Alors toi, tiens une flèche dans ta tête. Toi aussi. Arrêtez de déconner avec Link, hein. Il est pas là pour plaisanter, hein. Ok, passons derrière cette porte. Et derrière cette porte, ça pue. Ça pue. Ok. Viens là, mec. Ok, j'enlève ton armure. Tu veux jouer, toi? Voilà. Hé, hey, on se calme, hein. Voilà, je vais enlever tous leur armure. Alors, toi, par contre, t'es méchant. Hop là, je t'enlève ton casque. Oh, il y a un de ces boucs. J'aime les gens qui ont les boucs. T'es pas mort, hein. Il est résistant. Ah, toujours pas. Alors attends. Ah. Et ben voilà. Il est mort. Ce qui va nous réouvrir la porte. Et nous débloquer ceci, le coffre qui contient la clé du boss. Alors les orbes, on va se faire plaisir. Ok. Oh, les flèches là. Oh non, tu me diras, les flèches, je suis à fond. C'est surtout les bombes et voilà, ceci. Ok, allons prendre la clé du boss et partons d'ici. Super. C'est pas la clé du boss, c'est la grande clé. C'est pareil, vous me direz, hein, parce que dans les Zelda, ça change les noms. On a des fois la grande clé, on a la clé du boss des fois. Donc bon. Pas grave. Allez, ouvre-toi, toi là-bas. On va passer tranquille. Avant de se faire couper. Oh, on se fait pas couper, ça va. Ouh, c'était chaud. Foutez-moi la paix. Ok, et ici, il faut aller de l'autre côté. La porte qui est juste en face. Ah ouais, ça fait mal, hein. Ça, toi viens avec moi avant que tu te fasses mal. Allez, pète un bon coup là. Ok, voilà, t'as quelque chose à me donner? Une orbe, très bien. Des bombes? Oui, tout ce que je voulais. Bien, alors vite. Je crois que je vais pouvoir le faire assez rapidement parce qu'il faut aller de l'autre côté sans que le vent souffle. Mais bon, là le vent va souffler. Voilà. Et évidemment, vu que le vent souffle, l'hélice tourne, donc ça me fait utiliser du vol, voilà. Et il tombe de très très haut, hein. On va remonter.
Voilà. Alors j'espère que ça va le faire. Je pense pas encore une fois. Ouais, c'est ici qu'il faut aller. C'est ici qu'il faut aller. C'est parfait tout ça. Regardez. Hop. Recule. Recule. Voilà, nickel. Tu es bien de l'autre côté, mon ami. Tu es bien de l'autre côté. Hop, un peu de vent, mais pas trop. Et on passe. Tranquillement. Ok. Viens avec. Viens avec moi. Ok, alors rappelez-vous de cet endroit, il s'était fait capturer la dernière fois. Et lui là-haut, il va m'embêter sévère. Ah, mais je suis en train d'attaquer un monstre! Link, je pense que tu devrais pouvoir planter ton grappin dans l'arbre que j'ai fait pousser assez. Et voilà, il a disparu. Voilà, c'est bon. Ça, je le sais, mon petit pote, je le sais. Ah, tu m'as fait perdre mon temps là. Je t'en veux pas. À côté, sur le nez. Ah, le joystick, c'est vraiment chiant. Ok, magie, quelque part. Pas l'air. Pas l'air. Bon. Encore une fois, l'air du marionnettiste. Ouais, mon petit. Tu vas utiliser tes hélices pour monter vers moi. Ça se trouve, il y a de la magie en bas. Mais bon, dans les autres pièces, je pense qu'il y a d'autres hautes herbes qui vont me permettre d'en avoir. Ok. Allez, viens là. Alors, dans cette pièce, ça va être le même principe. Planter des graines qui va me permettre de monter. Et avant. Ah oui. Ah, rien. Je te donne un coup. Est-ce que je peux la tirer? Raté. Disons, c'est pas évident. Ouais, faut bien viser. Hein. Je peux te viser ou pas, toi? Voilà, c'est mieux. Ok, maintenant il va planter ses graines. Il va me permettre de m'accrocher avec le grappin. Au niveau du temps, on est bien. Hein. Je dirais même que je suis un peu en avance. Ok. Et un arbre. Je vais voir si je peux aller là-bas sans me faire attaquer. Oh, je me fais attaquer. Oh, 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 oh. C'est dangereux. On va peut-être éviter. On va rappeler Link et on va faire ça doucement. Ok. Alors toi là-bas. T'as voulu attaquer mon compagnon. Viens là. Super. On va y arriver avec l'arbre, c'est pas grave. Et on reprend notre cher ami qui va revoler sur l'autre plateforme pour replanter une graine. Ok. Elles sont puissantes ces graines. Elles sont puissantes. Un petit coup de grappin magique. Hop là. Et toi là-haut. Je te veux. Viens là. Paf. Ok, c'est bon. Alors. Encore une fois, on passe là-bas. Et... oh, il y a une main. Ça, c'est pas bon ça. Parce qu'il va falloir que je plante encore un arbre. Il va falloir que je le cache. Ou que je le redescende. Je sais pas. On va voir. On va passer sur le côté. Pas qu'il me voit. Tu me diras, il peut rien voir là, il a pas d'yeux. Allez, plante. Ok, et on va te mettre là-bas. En espérant que la main ne vienne pas, parce que c'est un petit peu embêtant ça. C'est bon, il est pas venu. Bonjour. Voilà, au revoir. Donne-moi quelque chose d'intéressant. Mais bon, bon, bah je prends quand même. Allez, viens là, mon petit. Ah, on retourne sur la pièce principale. On va le poser là. Et moi, je vais me mettre là. Ce qui fait que ça va ouvrir la grille des hélices. Et on va pouvoir aller se faire un petit hachis de Link. Ça peut être sympa. Paf!
Et on se casse les deux genoux encore une fois. Alors on a l'interrupteur ici, on va l'activer même si personnellement je ne vais pas remonter. Ça va me permettre de monter et descendre. Finalement c'est... voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est vrai que ça me sert à rien. Bon, on a la petite clé. C'est au cas où on descend, vous voyez qu'on n'a pas la petite clé. On se retrouve en bas un petit peu embêté. Ok, alors là ça pue aussi. Il est où le magicien? Ok, on n'en parle plus. Te calme toi là-bas. Aïe. Aïe. Il a pété les vases. Non, c'est bon. Alors la tête, elle est où ta tête? Elle est où ta tête? Calme ta tête, c'est bon, il va se reconstituer, voilà. Bon, bon, on va attaquer lui alors. Ouch. Oh. Ah ouais, mais si je fonce sur lui alors qu'il est encore en train de tourner, c'est que je suis pas malin. La tête! Attaque la tête! Voilà. Et l'autre tête, elle est où? Elle est là! Voilà, c'est bon. On a eu les deux têtes et le monstre. On va récupérer les orbes. On va se faire le plein de cœur de magie. Ouais, magie, je suis déjà à fond, donc ça va. Et l'autre orbe. Ne lance pas sur le petit avec toi, il est avec toi. Ok, on va prendre avec moi les bottes de plomb. Et on va faire tomber ça. Vise le crâne. Oh! Nous avons un ami là-haut. Tu viens? Voilà. Qu'est-ce que t'as à me donner? Un rubis. Bon. Allez, maintenant on va monter. On peut péter celui-là aussi si on veut. Ok, mais je crois qu'il n'y a rien dedans. Oui, il y a des rubis dedans. Pas très important. Des rubis. On est plein. Allez. Parce que les portes ne sont toujours pas ouvertes. C'est un peu embêtant ça. Ok. Très bien, c'est par là-bas qu'on continue. Botte de plomb, et on va agripper ceci. On va reculer un peu. Qu'il puisse venir sur la plateforme. Viens là toi. Je vais y arriver à le choper ou pas? Ah voilà. Il est mort. C'est bon. On va prendre ça. Et vu qu'il est mort, ça va faire apparaître un coffre. Un coffre en métal. Et dans ce coffre en métal, je vous le dis tout de suite, c'est une carte au trésor. Ok, et avec ça, boum! On réouvre les grilles. On va d'abord récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Et on s'approche peu à peu du boss, hein. Peu à peu à la fin de ce temple. Voilà, donc en fin de compte, j'ai récupéré deux cartes au trésor dans ce donjon. Ce qui est fort sympathique. Dans le temple. Dans le précédent temple que j'ai pu faire, j'en avais oublié, hein, c'est vrai. Je l'ai récupéré après. Mais là, normalement, je n'ai rien oublié. J'ai vraiment fait le tour. Alors là, j'aime pas. Voilà, on s'en va, s'il vous plaît. Oh, je suis un petit peu assommé là. Vu qu'ils savent pas viser, c'est très bien. Les bombes pour les calmer, ceux-là. Vous approchez pas de moi, je vous ai rien fait. Je vous ai un petit peu tué, mais c'est tout. Ok, ils m'ont popé deux orbes. On va récupérer leur contenu encore. Pas grand chose d'intéressant. Par des bombes, on est déjà à fond. Ok, petit bonhomme. Tu veux venir? Tu vas me faire pousser un arbre de l'autre côté. Ok. Ça va. Honnêtement, il nous reste normalement 10 minutes pour terminer l'épisode. Ça devrait bien se passer. Oh, il y a une main par contre. Ça, j'aime moins ça. J'aime un peu moins. Donc on va vite se débarrasser. Voilà.
vite le grappin. Ok, c'est bon. La main n'a pas eu le temps de venir. Super. Viens là. On va reprendre l'arc avec Swap, c'est mieux. Ok. Ok. Et... ok. Ah bien, tu peux revenir avec moi, mon petit. Direction la dernière salle. Il me semble que c'est la dernière. On va voir. Oui, c'est la dernière salle. Alors, cette salle-là, c'est une sorte de petite énigme. Hein. Rien de bien compliqué. Je vais mettre mes bottes au cas où. Je ne sais pas si ça va le faire. Alors, il faut attendre. Voilà. Donc, lui, il va être coincé. Il faut que je coince l'autre aussi. Raté. Ah, parfait. J'ai bloqué les deux. Non, voilà, les deux sont bloqués. Maintenant, on va pousser celui-là jusqu'au bout. Sauf que le souci, c'est qu'il va tomber dans le vide. Parce qu'il y a, une espèce de petite crevasse. C'est pas grave, parce qu'on va refaire passer une pièce par-dessus. Alors, pour vraiment être tranquille, parce que là, on peut voir que c'est quand même assez proche du mur. Non, tu lâches. C'est bien. Voilà, on va le reculer un peu. Ça, ça passe hein, si on y va, si on va tout droit directement, ça passe. Moi je préfère faire ça comme ça. Ok. On peut essayer aussi d'y aller à l'arrache hein, sans utiliser les caisses, c'est possible aussi. Je l'avais déjà fait, il me semble, sur GameCube. Mais on prend des dégâts. On prend des dégâts. C'est pas tip top. On tire cette caisse et on va pousser cette caisse. Je suis pas tout à fait dans l'axe. On va arriver au bout de toute façon. Difficile de bouger la caméra avec le doigt. Si vous voulez, je la tiens comme ça. Pour faire bouger la caméra. Pas terrible. Hein. Ok. On va retirer. Non. Trop. Trop. Voilà. Et là, c'est bon. Tu peux y aller. C'est bon. Youhou. Ok. On s'y approche. Doucement mais sûrement. Botte de plomb. Et là-bas il y a une stèle qu'on va exploser. Et juste derrière se trouve le boss. Et oui. Donc on s'approche vraiment à la fin du donjon. Du temple. Temple. Temple du vent. On contourne. Se passe bien. Il doit avoir les bras sacrément solides hein, pour porter ce bonhomme. Pas que le porter parce qu'il doit être léger, mais surtout le garder en l'air pour qu'il y ait du vent. Ok. Dégage. Super. Pas mal la faute de note. Voilà. L'hymne du dieu du vent est joué. Violon qu'on n'entend pas très bien avec le vent qui souffle derrière, mais ça passe. Ok, et la porte du boss se trouve juste là-bas. Alors déjà on va ouvrir ça. Ok, et normalement il devrait y avoir les petites fées, non? Pour l'instant, il n'y a que des rubis. Oh, pas mal. Ah, voilà. Tu vas jeter cette flotte parce que bon, maintenant elle est plus tellement magique. Et tu vas capturer une fée. Même si je ne pense pas pouvoir m'en servir. Hein. Vu le nombre de cœurs que je possède, ça devrait aller au niveau du boss. Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Donc pour vaincre le boss, il va me falloir le grappin. Va-t'en! Je suis vraiment un salopard. Ok. Oh. Oh. Une grande pièce avec du sable. C'est parti pour le boss.
boss sort du sable. Avec une musique vraiment sympa. En tout cas, il est vraiment très laid. Mais j'adore ce boss. On dirait une Raymanta. Enfin, une fusion entre une Raymanta, entre un asticot. Enfin, je sais pas. Mais bon. Sympa comme boss, en tout cas. Alors. Il est où? Il est là. Donc là, puis écoutez-moi cette musique. C'est cette musique, moi, que j'adore. Oh, il va sortir. Oh non, il se met en dessous. Non. Oh, il m'a chopé. Tout ça à cause de ma visée de merde. Crudy. Non, non. Je veux pas attaquer ça, moi. C'est la vision. Voilà. Tu attaques ça, tu attrapes ça, voilà, et tu attaques. Il est pas très compliqué à vaincre le boss. C'est juste eux qui sont juste un peu embêtants. Tac, c'est bien. Voilà. Là, comme si ça me permet. Oh, il est sorti. Il est sorti. On va faire attention aux ombres. Allez, va-t'en. Voilà. Sors de là. Ok. On va pouvoir l'attraper et continuer d'attaquer. Ça suffit pas. Oh oui. Ça suffit pas pour moi. Pas encore. Viens là. Ah. Oh non. Ah non, il est sorti. J'ai cru qu'il allait encore me manger. Ça va. Alors, au niveau de l'ombre, il est où? Aïe, aïe, aïe. Ça passe pas loin. Ok. Je vais vite les attaquer, ceux-là. Aïe. Oh, 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 je suis à peu près. Ok, non, c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà! Il est vaincu! On peut l'entendre à la musique. Il se transforme en sable et part en poussière. Et un réceptacle tombe! Ça fait plaisir! Et la fameuse plaque. La stèle, je ne sais pas. Le seul avec le symbole de la Triforce est indemne. Pourtant, le boss est sorti du centre. À moins qu'il est sorti d'un portail. Bref. Les stipulations, on va s'arrêter là. En tout cas, ça fait plaisir. Un boss de vaincu. Ce temple terminé. Un réceptacle en plus. Yeah, il me manque que 3 quarts de cœur, donc, comme je l'ai dit. Et on va se diriger vers le centre. Et voilà, il est tout content. Oh, il va jouer. C'est parti. Redonne la puissance à mon épée de légende. Et le sage, le Kokiri est là. L'épée de légende est réanimée. Cette épée a retrouvé le pouvoir de repousser le mal. Elle est redevenue celle d'antan. Et voilà, Link est enfin... Link, l'épée, pardon, est enfin restaurée. Link,
l'épée de légende a retrouvé le pouvoir de repousser les forces maléfiques. Les anciens ont l'air satisfaits. Je vais rester ici pour continuer à prier les dieux. Quant à toi, entre dans la lumière qui est derrière toi, puis pour retourner dans le monde au-dessus des flots. Je vais prier pour que tu sois heureux au combat. Merci mon petit. J'apprécie. Et bien voilà. Je vois. Donc la forteresse maudite a déjà... Cet endroit est complètement désert. Tellement désert que les voix résonnent. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette tête-là? Les monstres sont partis. Tu pourrais au moins te réjouir 5 minutes? Si les monstres ne sont plus dans la forteresse maudite, ça veut peut-être dire qu'ils sont ailleurs. Enfin, ça veut sûrement dire qu'ils sont ailleurs. Link, mauvaise nouvelle. Ganon s'est pas montré à la surface de la Terre depuis que Valou l'a transformé en boule de feu. Et plus aucun des monstres à sa solde se trouve dans la forteresse maudite, où il s'était établi. Il semble avoir disparu. J'ai peut-être tort, mais je suis inquiet au sujet de la princesse Zelda. Link, va chercher tous les fragments de la Triforce et partons au plus vite vers le royaume d'Hyrule. Ça marche, chef. Bon, écoutez. Alors, lui, il est déjà... Alors, attendez, avant de se quitter, on va le tuer. Parce que je voulais qu'on se quitte sur de bonnes notes, mais... S'il est là pour m'emmerder, lui, on va pas s'entendre. Reviens là! Bouge pas! Bouge pas. Pas possible, ça. C'est pas possible, ça. On va retourner sur la terre. Ferme. Et donc voilà, donc l'épisode s'achève ici. On a retrouvé tous les pouvoirs de l'épée de légende, comme on peut le voir. Elle brille, elle scintille. Le diamant ou le rubis, ou qu'est-ce qu'on veut, au centre, le jaune, quoi, a retrouvé ses couleurs. Avant, il était inactif. Nous sommes en pleine possession de nos pouvoirs pour aller vaincre Ganon s'il se montre. Le souci, c'est qu'il faut qu'on récupère quand même les fragments de la Triforce. Chose qu'on fera probablement dans le prochain épisode. Donc sur ce les amis, portez-vous bien et à bientôt. Ciao !